Donc bonjour les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on est sur le site officiel Farming Simulator 2017, bah, pour Farming Simulator. Donc ils ont remis des marques de matériel de tracteur. Pas de batteuse je crois. Bah j'ai pas encore regardé, on va voir. Voilà. On va commencer par la première marque, Agco. Donc ça sera des masses. Là ça sera une 650 kg. Et là une tonne 5. Des masses pour mettre à l'avant du tracteur. Amazon. Bah ça je vous l'ai fait voir l'autre coup, hein. Il n'y a pas d'autre chose qui a changé. Bergman, pareil. J'ai fait tous les marques parce que je ne sais pas s'ils ont remis des trucs. Donc voilà, ça c'est la bête qu'on commençait FS15, je vous l'ai fait voir. Bredal. Un épandeur engrais. Largeur de travail, 24 mètres, capacité 4000 litres. Caplot. Bon, y a rien de plus que l'autre fois. Hop. Case, pareil. Ouais. Challenger, pareil. Je fais tous les marques parce que je sais pas s'ils ont mis des trucs dans les marques. Dutz Far. Donc celui-là, ils ont remis. Un Dutz Far série 9. Il fera entre 295 chevaux et 336 chevaux. Ils ont le droit à 63 km/h. Donc ça doit être les nouveaux Dutz. DFM, donc ça c'est sur un jeu, c'est sur Bobalive, pardon. Donc ça c'est pour le bois, DFM, Farm Tech, remorque, et rien de plus. Les FEN, pareil, rien de plus. J'espère qu'ils mettront le 1050 en vario, chez FEN. FIAG, pareil. Grim, oh voilà. Donc, celle-là, arracheuse à des pommes de terre. Et là, c'est pas c'est ça sera pour mettre à l'avant. Et ça, l'arrière. Puissance requise, 110 chevaux. Largeur de travail, 2 mètres. Capacité, 9276 litres. Puissance requise pour les feuilleuses, 65 chevaux. Largeur de travail, 3 mètres 2. Ça sera pour machine ensemencée, pour semer les patates, pas pour les planter. Puissance requise 120 chevaux. Large de travail 3 mètres, capacité 2740 litres. Orche. Ah. Donc le Smart Pronto, l'avait déjà mis. Ça c'est un déchaumeur Terrano 5 mètres. Puissance requise 205 chevaux. Large de travail 4 mètres 80. Ouais, en gros, hein, ils disent 5 mètres, mais bon, ils ont mis 4 mètres 80, pardon. Voilà. Hurleyman. Bah, c'est celui-là qu'on avait aussi sur FS15. Hein. Puissance entre 110 chevaux et 126 chevaux. 43 km/h. Isverno, il n'y a rien de plus pour les tronçonneuses. JCB, pareil. J'espère qu'ils mettront des autres fast track. J'ai 11 raids pour la tronçonneuse, il n'y a rien de plus. Josquin, donc ça, ce sera la bétaillère pour les cochons, je crois. Ça, c'est un épandeur en fumier Tornado 3 pour le type. Puissance requise 130 chevaux, largeur de travail 15 mètres, capacité 19 000 litres. Cockerling. Ils n'ont rien mis de plus. Crampe pour la benne de camion, pareil. Agroliner pour la remorque, c'est pareil. Kuhn. Ah, une charrue. 100 chevaux, puissance requise. Et 2 mètres. Ça doit être une 4 fer, hein, je pense. Après, la marque, je sais pas trop lire. Kuhn-Verland. Enfin, je sais pas. Ça c'est un smoire.
Ouais, machine ensemencée. Puissance requise 75 chevaux, largeur de travail 3 mètres, capacité 750 litres. Ça, c'est un déchaumeur cultivateur. Puissance requise 90 chevaux, largeur de travail 3 mètres. Lemken, un déchaumeur. Puissance requise 300 chevaux, largeur de travail 12 mètres. Ça, c'est une charrue. Puissance requise 240 chevaux, largeur de travail 4,90 m. Lisa, rien de plus. Maxi. Ça, c'est pour le chariot télescopique. C'est pour les ballots. Ça, fourche à fumier. Capacité 3500 litres. Chariot télescopique. Pelle. Ouais, c'est pour tout ce qui est le grain et tout. 4500 litres. On le mettra sur le JCB, je crois. Ou sur le Manitou. Manitou, rien de plus. Massey Ferguson. Barre de coupe. 12 mètres 20. Ouais, ils ont dû remettre celle-là. 12 mètres 20. Après, Maltotech, rien de plus. Newland. Ah si, un T8. Puissance entre 320 chevaux et 435 chevaux, il roulera à 53 km/h. Après, rien de plus. Potager, rien de plus. Ponce pour le bois, rien de plus. Rose Zelmatch, pareil. Salford, pareil, rien de mis de plus. Steer. Ah, ils ont mis celle-là. À Terus CVT, 288 chevaux, à 313 chevaux, 53 km/h. Sueur, c'est pour les masses. Aderstad, un déchaumeur, puissance requise 330 chevaux, là je travaille 8,30 m. Là, machine à semencer. C'est celle qu'on avait sur. Bah, celui-là qu'on avait sur FES 15. Puissance requise 90 chevaux. Large de travail 6 mètres. Capacité 2396 litres. Valtra, rien de plus. Vosgiel et Nout, un déchaumeur. Puissance requise 180 chevaux. Large de travail 6 mètres. Ça, c'est un nouveau tracteur. Un Zetor, je crois. Puissance 75 chevaux, 43 km/h. Je sais pas s'ils ont mis des autres machines. Case, rien. Bah après, je pense qu'on a fait le tour. Équipement, je crois. Bah non, je pense qu'on a tout fait. Bredal, je crois qu'on a. Ah si, on a fait ça au début, je crois. Tech, pareil. Bon, on a tout fait. Donc, j'espère cette vidéo sur le site FS17 pour les nouveaux véhicules vous a plu. Et moi, je vous dis au revoir.